Bonjour, bienvenue dans cette deuxième vidéo sur Docker. Dans cette vidéo, nous allons voir comment manipuler les images, les conteneurs, etc. Et la première question qu'on va se poser, c'est où trouver les images Donc on va aller sur cette adresse app.docker.com et là comme vous voyez, je peux créer un compte gratuitement. Je peux, une fois le compte créé, je peux l'utiliser pour authentifier. Sinon, hein, si on, on veut pas, c'est pas hein, c'est pas grave. On peut commencer d'abord par explorer. Et là, je peux par exemple me limiter. Je fais pas confiance aux images euh, des euh, personnes anonymes soi-disant. Euh, et donc, je peux me limiter aux, euh, aux images officielles Docker. Et là, on, a, on ne va avoir que les images. Et là, je vois que j'ai euh, euh, ici 177 euh, euh, images sinon hein, j'ai plus de 10 000 euh, images si j'inclus euh, tout et là les euh, les propositions ils vont de simples euh, distributions euh, alpines euh, Équilibrage de charge SRA Nginx, uh, BusyBox, un, une image qu'on va utiliser où on a uh, plein d'utilitaires, uh, la distribution Ubuntu pour un environnement de développement Python, etc. etc. Donc des, des bases de données comme Postgres, uh, uh, le serveur HTTP, MongoDB, uh, ça aussi c'est intéressant, MySQL, uh, euh, MariaDB, etc. Et là, ce qu'on remarque, c'est le nombre de poules, hein, le nombre de fois où cette image a été téléchargée. C'est impressionnant. Plus d'un milliard de fois, cette image a été, euh, a été téléchargée. Alors nous, euh, pour commencer, nous avons cherché, euh, comme pour les euh, langages de programmation, donc la première chose qu'on apprend, c'est comment afficher le message Hello World. Et donc, là, on va chercher... S'il y a une image qui s'appelle Hello World. Et effectivement, j'ai une image officielle de Docker, Hello World. Et donc, on va cliquer dessus. On peut nous documenter, etc. etc. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est juste cette, cette commande. Donc, je la copie et puis, je vais l'exécuter au niveau de mon terminal. Et donc voilà, Docker Pool Hello World. Qu'est-ce que je fais en fait ici Je demande à télécharger l'image euh, en local. Et voilà. Donc je, je vais revenir sur cette question de tag et latest euh, après. Et donc là, ce qu'il a fait, il a téléchargé euh, la dernière version donc, de euh, cette image. Et euh, là, il, il a calculé euh, le H de son chat 256, 156, etc., etc. Il l'a exécuté... Euh, non, il n'a pas exécuté, pardon. OK, donc il là, on, on a demandé à pool, il a, on n'a pas demandé à créer de container à partir de cette image. Maintenant, nous avons notre euh, image qui est... En local, donc qu'est-ce qu'on va faire? D'ailleurs, on, on va vérifier est-ce que c'est le cas. Donc, on va dire Docker image ls. Donc, je demande à lister l'ensemble des images que j'ai sur euh, mon host. Et donc, là, effectivement, je vois qu'il y a une image qui s'appelle Hello World. Le tag, c'est la dernière version. Et en fait, chaque image il va avoir un id unique. Et l'image, il va être euh, identifiée soit par le nom, qui doit aussi être unique, et, ou bien l'id de, de cette image. Et ce qu'on remarque, c'est la taille. C'est vraiment une image qui est très, 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 très compacte. 13 kilos, c'est rien. Et puis, quand est-ce qu'il a été créé Et donc, ça a été créé 4 mois. Go quatre mois auparavant. Ok, donc qu'est-ce qu'on va faire Donc on va l'exécuter. Donc là, on est euh, au niveau image. D'ailleurs, si je vais sur euh, le Docker Desktop, je vois que dans les images j'ai cette euh, cette image Hello World et c'est exactement le même ID que on trouve en tapant la commande Docker image ls 9c7a, etc. Donc c'est la même. Alors là, pour l'exécuter, euh, je peux cliquer sur le bouton run ou bien je préfère apprendre les commandes en, en ligne de commande, plutôt taper les, les différentes commandes en ligne de commande. Donc on va dire Docker run. Et là, il faut préciser... L'image et l'image, c'est euh, donc le nom, c'est Hello World. Ok, donc là, euh, c'est très simple. Le rôle de cette euh, image, c'est juste pour vous dire euh, Hello from Docker. This message shows that your installation appears to be working correctly. C'est juste pour vérifier si l'installation de Docker euh, est bien faite. Et donc là, euh, je vais l'exécuter plusieurs fois. Et à chaque fois, donc, vous voyez que l'image eh, s'exécute, euh, affiche le, mes le message et puis il ne rend la main. OK. Donc, comment je peux voir quels sont les euh, conteneurs Parce qu'on a dit que lorsqu'on exécute la commande run, run image, en fait, c'est un conteneur qui, euh, qui est créé. Donc, pour voir la liste... Des euh, conteneurs. Donc je peux faire comme pour l'image, Docker container ls. Et là, il n'y a rien. Ou bien container, conté, euh, Docker PS. Pardon. Docker PS. Là, non plus. Euh, Est-ce qu'il y a un problème Pas du tout. Hein D'ailleurs, euh, sur euh, le desktop, je peux aller dans container. Et là, je peux filtrer. Je ne montre que les conteneurs qui sont en train de s'exécuter. C'est le résultat de Docker euh, container ls ou bien counter, euh, donor, euh, Docker ps. Mais là, en fait, euh, là, j'ai exécuté l'image Hello World quatre fois. J'ai quatre conteneurs euh, différents. Et euh, pour avoir le même résultat au niveau de la ligne de commande, donc on va dire Docker ps -a je crois c'est pour all et voilà. Donc j'ai bien mais à quatre euh, conteneurs, chacun il a un ID différent, OK Et un nom différent. Alors puisqu'on n'a pas donné de nom explicitement, en fait, lorsque il va créer le conteneur, il va, il va lui attribuer un nom quelconque, un nom euh, au hasard. Shamir, distracted mo Woznia, super Superfield, Lichter, etc. Je, je n'arrive même pas à prononcer ces, à, certains mots. Alors, non, on verra par la suite comment euh, choisir un, un nom euh, significatif. L'essentiel. Donc, ici, j'ai exécuté l'image Hello World quatre fois et j'ai quatre euh, conteneurs euh, différents. OK? Alors on va voir maintenant comment supprimer les conteneurs dont je n'ai plus besoin. Et donc là, deux façons de le faire. Donc Docker, euh, container. Et puis on va dire LM, comme remove LM. Et là j'ai deux possibilités. Soit donner... Le ID ou une partie qui permet d'identifier d'une façon unique euh, le conteneur. Voilà. Donc là, c'est parti. Donc je peux le voir en background sur euh, le desktop. Ou bien, donc Docker PS-1, je peux aussi utiliser là, le nom. RM. Euh, Et là, je vais choisir un des noms. Par exemple, le dernier, celui-là. Et voilà. Donc, je vais avoir deux conteneurs qui sont restés dans mon répertoire. Donc voilà. Alors, imaginez que j'ai une centaine de conteneurs, ça va être fastidieux de taper à chaque fois Docker container rm le nom ou l'ID, etc. Heureusement que nous avons cette commande Docker container. Prune. Alors il me demande euh, si je suis sûr, euh, donc euh, si je l'ai pas tapé euh, juste euh, pour le plaisir. Et là je suis sûr donc y. Et vous voyez que en background il n'y a plus euh, de conteneur. Donc docker ps -a rien, tout est parti. Euh, donc, voilà comment se débarrasser de toutes les, tout, euh, euh, tous les conteneurs. Ok. Alors, Alors une, une autre question. Est-ce que je suis obligé à chaque fois que j'exécute une image euh, Donc, je crée mon conteneur et puis aller. Et supprimer une fois je n'en ai plus besoin ce conteneur en fait lorsque j'exécute la commande docker run et là euh, bien sûr il faut donner le nom de euh, de l'image donc je vais utiliser moins moins rm euh, hello world et on, on va voir ce qui se passe ok hello world donc euh, là c'est exactement comme la dernière fois, sauf que on lui demande une fois le conteneur s'arrête, il faut le supprimer. Je n'en ai plus besoin. Donc voilà, j'exécute. Je, et voilà. Ça a été créé. Le conteneur a été créé. Il a été exécuté. Je vois le résultat ici. Hein. Euh, voilà. C'est exactement le même message que tout à l'heure, mais est-ce qu'il est toujours en train de s'exécuter Non. Est-ce que je l'ai dans l'historique Non. Et donc, si vous voulez exécuter une image, euh, c'est-à-dire euh, exécuter et créer à partir d'une image un conteneur et ne pas le garder une fois qu'il s'arrête, donc vous utilisez euh, le le switch moins-rm moins, comme remove. Une fois le conteneur s'arrête, il faut le supprimer. Euh, donc, comment je peux voir la liste des images Donc là, je tape Docker Image LS. Et donc là, je vois exactement la même information. Euh, comment, puisqu'on a vu comment supprimer. Un conteneur, je peux aussi supprimer euh, une image et donc là pour le supprimer, on va dire euh, Docker image rm euh, puis soit le nom, voilà, ça a été supprimé ou bien on va donner l'ID. Cool. Euh... Hello world. Donc, euh, je le récupère une deuxième fois. Oups. Hello, deux l Voilà. Et donc, je peux dire euh, Docker image LM. Et donc, 9C. Et donc, là, je suis pas obligé de préciser euh, tout l'ID. Donc quelques caractères, assez de caractères pour, euh, pour que le conteneur soit unique. Alors j'ai récupéré le world euh, encore une fois. Et, et là je veux vous montrer donc un garde-fou. Donc si j'exécute cette euh, euh, image. Donc là, je vais avoir un conteneur basé sur cette, euh, cette image. Euh, je vais, euh, puisqu'on a vu la commande en, en, en ligne, donc j'ai aussi la possibilité de supprimer l'image directement à partir du, euh, du desktop. Donc, image, je choisis laquelle et je clique sur le bouton delete. Et là, puisque j'ai déjà un conteneur basé sur. L'image hello world, bien sûr, il faut que ça donne une erreur. C'est un garde-fou. Voilà, je ne peux pas supprimer donc cette image. Donc pour le faire, il faut d'abord donc soit en ligne de commande taper docker container rm l'ID ou bien le, le nom, ou bien directement à partir du desktop supprimer les conteneurs basés sur cette image avant de pouvoir supprimer l'image. Et là, ça marche. Ok. Alors une chose très importante, il euh, est inutile donc de faire un pool avant d'exécuter une image. Donc on voit que j'ai pas d'image. D'ailleurs je peux taper la commande de image ls. Et donc là j'ai pas d'image. Mon repository est vide. Mais malgré ça je peux dire euh, Docker run hello world. Alors il va chercher euh, une image qui s'appelle Hello World dans le repository, il va pas le trouver et donc il va faire le pull automatiquement. Donc c'est ce qu'il a fait ici, unable to find image. Et donc là, il est allé chercher uh, cette image à partir du euh, du hub et il l'a téléchargée, exécutée et voilà. Euh, donc on peut vérifier que effectivement PS euh, donc là j'ai pas de conteneur qui tourne mais il y a un conteneur qui a été fermé il y a 30 secondes. Alors euh, euh, là il faut euh, expliquer une chose que c'est que un conteneur en fait euh, s'il n'a rien à faire, il se ferme automatiquement. Donc vous invoquez euh, un service, euh, etc., au niveau d'un conteneur, donc à partir d'une image, le conteneur démarre et puis il va faire ce qu'il a à faire et une fois il n'a plus rien à faire, il se ferme. Et donc si on utilise en plus euh, euh, le switch-RM, il est détruit. Euh... Alors, parfois, on a besoin de travailler en interactif. Euh... Sur une image, malheureusement, le Hello World ne comporte pas de, de, de shell. On n'a pas le, la possibilité d'accéder au shell. C'est pour cela que je vais euh, travailler sur une autre image qui comporte un certain nombre d'utilitaires. Et donc, je vais dire, on, on l'a déjà vu, j'ai pas besoin de faire un pool avant un run. Donc, je vais dire, don euh, docker run busybox euh, C'est tout. Donc là aussi, il va faire d'abord la vérification. Hein, au niveau du euh, repository local, il ne trouve pas de euh, d'image BusyBox, et là, il l'a téléchargé. OK. Et euh, je peux vérifier docker ps-a et donc je vois qu'il l'a exécuté. Et donc la commande, c'est bien SH, mais là, il est sorti. Pourquoi Parce que, euh, il n'avait rien à faire. Donc il, il a euh, lancé le processus SH, et comme il, il n'y avait pas de commande, euh, etc., exécutée, il est sorti, et, et il nous a rendu euh, la masse. Si on avait utilisé euh, moins moins RM, euh, on ne l'aurait même pas trouvé dans la liste des euh, conteneurs qui ont été déjà exécutés. Donc, euh, je vais faire un Docker Container PS. Euh, entre parenthèses, euh, tout à l'heure, nous avons vu que l'image faisait quelques kilos. Voyons voir euh, l'image actuelle, donc le Busybox. Et laquelle taille Donc, vous voyez par rapport à 13 kilos, euh, quand même, euh, on a 4 mégas. Donc, euh, c'est euh, plus gros, soi-disant. Mais sinon, on peut avoir des images de quelques gigas. Et donc, pour travailler en, en interactif, ce qu'on va dire, on va, on, on, on va demander à travailler en interactif, et donc on va dire docran-i, et puis on voudrait créer un terminal virtuel TTY avec le. Euh, le switch moins t et en fait je peux combiner les deux hein, c'est pas la peine de écrire euh, moins premier switch moins deuxième switch etc donc je peux écri écrire la commande euh, comme ça et voilà j'ai mon shell et donc ls euh, etc donc je peux aller dans le répertoire bin et voir euh, quelles sont les commandes qui sont euh, disponibles etc etc et donc euh, en, en parallèle, donc je vais ouvrir un, un deuxième terminal, donc euh, Docker PS. Et voilà, donc j'ai un conteneur qui est en train de s'exécuter. Donc quand est-ce qu'il va se fermer C'est lorsque je sors. Okay. D'ailleurs, je peux aller ici, je clique sur euh, euh, le conteneur et je peux. Euh, avoir le prompt directement à partir de Docker euh, Desktop. Et donc, je peux voir quels sont les processus qui euh, sont en train de s'exécuter. Donc, je vois qu'il y a deux, hein, deux shells hein, qui s'exécutent en, en parallèle. Et donc, euh, voilà. Lorsque je vais dire exit, voilà. Le conteneur est, est, est fermé. Voilà. Donc, il n'y a pas de... de conteneur qui s'exécute en ce moment. Donc tout à l'heure, quand j'ai exécuté la commande Docker run-it Busybox, il m'a donné le prompt, le dièse. Alors si je veux lancer Busybox, mais en mode détaché, détache, j'ajoute le switch D. Et donc là, il va s'exécuter en background. D'ailleurs, je le vois ici. Okay. Et donc chacun il va avoir son propre nom et euh, son propre id. Donc pour exécuter un conteneur en background il faut ajouter le D. Alors nous allons avoir besoin de l'ID de euh, du Busybox que nous avons quitté le plus récent, 34 secondes. Voilà. Donc, à 849, 84 suffit. Donc, euh, ce que je peux faire, c'est en fait euh, demander à démarrer un conteneur euh, euh, qui a été fermé. Et donc, Docker Start. Attention, Docker Run, c'est relatif à l'image. Maintenant, Docker Start, c'est un conteneur. Docker Start, euh, qu'est-ce qu'on a dit 8. 4 et donc voilà ah non il est déjà il est déjà euh, c'est le E4 E4 c'est lui qui est grisé donc c'est lui qui est arrêté et voilà on vient de le démarrer ok donc maintenant j'ai deux conteneurs indépendants ils sont basés à, tous les deux sur images et, et, et donc, je peux exécuter des commandes directement sur l'un ou, euh, ou l'autre. Donc, si je veux lancer le shell sur euh, ce conteneur, donc je peux dire euh, Docker exec dans ce, dans ce cas. Donc, euh, il faut bien faire la distinction entre Docker run, on a dit, pour image, Docker start pour Conteneur, et maintenant on veut exécuter une commande à l'intérieur d'un conteneur qui existe donc docker euh, exec euh, moins it. Euh, L'id c'est ça commence par euh, 4 et puis on va donner la commande e4, et donc voilà, j'ai le, le, le shell. Euh, euh, voilà. Alors maintenant, comment arrêter euh, ce conteneur Bien sûr, euh, il suffit de faire exit et là, on va perdre le contrôle. Mais euh, je peux dire à partir euh, d'un terminal, Docker stop, puisqu'on avait start pour euh, démarrer un conteneur. On peut l'arrêter comme ça. Docker stop et puis je dis E4. Donc, cherchez dans la liste des conteneurs, celui qui commence par E4, vous l'arrêtez. Alors on va attendre, il est en train d'envoyer un signal pour que le pour que tous les processus s'arrêtent. Et là, il va nous rendre la main. Et voilà. Donc je vois que le E4 maintenant il est désactivé. Et donc il s'est arrêté. Donc ce que je peux faire aussi, hein, c'est euh, donc on va dire euh, Docker Start E4. OK. Et l'autre... Qui est plus, euh, plus violente, soi-disant. Docker, euh, Docker kill E4. Euh, on va le tuer. Et donc, le temps de réponse, vous allez voir, euh, parce que ce n'est pas le même signal qui est envoyé à, à la distribution. Et donc, voilà. Donc, c'est beaucoup plus rapide. Kill, euh, surtout lorsque euh, euh, le conteneur ne répond plus, etc. Donc, on peut lui envoyer un kill, euh, l'ID ou bien le nom de conteneur et il s'arrête. Alors, Busybox, en fait, il contient beaucoup d'utilitaires Linux et il est inutile, en fait, d'exécuter, de lancer le, le shell et exécuter ces euh, commandes à partir du shell. Je peux le faire de l'extérieur. Donc, voilà ce qu'on va faire. Docker, run. Et là, je vais utiliser euh, "-rm", pour qu'il ne garde pas le conteneur une fois on termine. "-rm", BusyBox, c'est le nom de l'image. Et puis, on va dire euh, Ping, euh, les serveurs de Google. Et voilà. Euh, regardez en background, il a créé un nouveau conteneur. Euh, là, en principe, il va le faire jusqu'à ce qu'on l'arrête. Je vais appuyer sur CTRL-C. Et là, vous allez voir que ce conteneur, il, hein, il va être supprimé. Donc voilà. Donc ce que j'ai fait, j'ai euh, créé le conteneur à partir de l'image BusyBox. Et puis, je vais je lui demander d'exécuter à l'intérieur. Donc, de ce conteneur, la commande ping 8.8.8.8. Alors, d'autres exemples plus, plus intéressants. Euh, par exemple, je veux. En, en, en fait, euh, voilà. Euh, J'ai besoin de Telnet. Euh, telnet, comme vous savez, c'est un client au niveau de Windows je peux l'installer mais j'ai pas envie en fait j'ai le telnet à l'intérieur de busybox En plus en fait je peux faire un telnet sur n'importe quel port alors imaginons que je veuille tester la messagerie sur office 365 donc je peux dire docker run RM pour qu'il ne garde pas le conteneur, et puis, Busybox est le nom de l'image. Et puis, je vais dire euh, Telnet. C'est la commande qu'on va passer. Telnet euh, smtp.office365.com. Et comme euh, ce service, c'est parce que normalement, le port smtp c'est 25, mais puisque... Il, 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 il utilise TLS, donc on va utiliser le port 587. Et donc là, qu'est-ce qu'il a, qu qu a fait Connect to SMTP. Il sait connecter. Au service, euh, donc à ce site là, smtp.office365.com. D'ailleurs, je peux faire un ping smtp.office300 pour voir quelle est l'adresse IP. Euh, et puis euh, il s'est arrêté. Alors pourquoi Parce que en fait, euh, avec le telnet, on a besoin de travailler en interactif. Donc avant le moins moins rm, de, je vais ajouter le moins it. Parce que je veux travailler en interactif et il faut que le résultat des commandes soit affiché sur mon terminal. Et voilà. Donc, je peux dire euh, ⁇ Hello euh, local, par exemple ⁇ il, il me répond euh, avec son adresse IP, le, vo le voilà, et comme quoi voilà le, le, le fully qualified name. Donc, je peux dire ⁇ Start ⁇ je ne sais pas si euh, il fait la distinction entre majuscule et minuscule. Je crois que, que si. Contrôle. Euh, voilà. Un star. TLS. En tout cas. Donc c'est pas l'objectif. Je peux donc entrer les commandes qui sont comprises par le protocole SMTP, etc. Et donc je peux faire euh, mon diagnostic. Euh, effectivement, donc ce qu'il fa fallait euh, taper c'est start tls, etc. etc. Donc contrôle C. Et puis je vais exit le telnet. Donc euh, allons-y, qu'est-ce qu'on n'a pas encore. Euh... Oui, euh, nous avons euh, dit que euh, Docker il crée et il assigne un, un nom quelconque. À chaque fois qu'il crée un, un nouveau conteneur, en fait, nous avons la possibilité de euh, choisir notre, notre nom. Et donc, ce qu'on va dire, euh, c'est euh, Docker toujours run, et puis euh, je vais travailler, je vais travailler en interactif et en background moins itd. Et là, je précise le nom à donner à la machine puisque c'est busybox, je vais l'appeler bébé. Moins moins b et le nom de la de l'image et voilà qu'est-ce que je vois ici hein? il a créé un conteneur avec le nom bb et donc euh, je peux euh, lancer par exemple une commande sur euh, ce conteneur euh, le sh etc etc ou et bien d'abord voir euh, quels sont les ah, des machines qui sont en train de tourner. Donc ici, je, je, je vois bébé. Et donc là, je peux dire, par exemple, euh, Docker stop bébé. Et donc là, il va arrêter, ou bien kill bébé ça, c'est plus rapide. Bien sûr, le voilà, il a arrêté. Le, le nom qu'on donne, et, et, et Il est unique. Donc, si j'essaie de, de réexécuter la même commande, ça donne une erreur. Pourquoi Parce que bébé existe toujours. Voilà. Donc, il faut d'abord supprimer le premier avant de pouvoir affecter le même nom à la nouvelle, la, à, au, au nouveau conteneur. Alors, euh, j'ai fait le tour euh, de tout ce qu'on devrait à savoir pour manipuler les images et les euh, et les conteneurs donc euh, Docker toujours il faut commencer les commandes par Docker donc pour créer un conteneur à partir de l'image nous avons vu qu'il faut taper Docker run pour euh, pour euh, exécuter pour euh, euh, exécuter un un conteneur qui existe, donc c'est Docker Start. Pour exécuter une commande sur un conteneur qui est en train de tourner, c'est Docker Exec. Pour voir les conteneurs qui sont en train de tourner, c'est Docker PS. Pour voir tous les conteneurs, y compris ceux qui sont déjà... Euh, qui, qui sont en mode d'arrêt c'est euh, docker ps- 1 nous avons vu comment supprimer euh, donc les images comment supprimer les conteneurs etc et donc si on voudrait aller plus loin donc euh, nous avons un help qui est euh, assez, assez détaillé donc je peux écrire je connais rien sur docker donc je peux dire euh, docker help et donc là il, veut, il va me, me détailler quelles sont toutes les commandes possibles avec euh, Docker. Euh, voilà, Docker, option, commande. Donc, euh, il faut euh, donner les options avant la, à, à la commande. Et les commandes euh, euh, communes, c'est run, exec, ps. Il y en a certains qu'on a déjà vus. Run, exec, etc., on les a vus. PS, on l'a vu. Build, on l'a pas encore vu. Pool, on, on l'a... On l'a déjà vu, le push, c'est dans le, le sens inverse. Ça veut dire qu'on a créé une image et on veut la euh, plauder euh, Mais euh, dans ce cas-là, il faut être authentifié. C'est le cas. Moi, j'ai déjà euh, ouvert. Euh, donc, euh, je me suis authentifié sur hub.docker.com et donc j'ai la possibilité de préparer une image et la mettre à la disposition des, des utilisateurs Etc. Et Sinon, si je veux être plus spécifique, donc je peux dire Docker image, moins, moins help. Donc, je veux voir uniquement les commandes relatives aux images. Et donc, voilà euh, tout ce qui concerne la gestion des, des images ou bien Docker euh, Container moins, moins help. Euh. Donc voilà tout ce qui concerne les, la gestion des conteneurs, etc. Donc, euh, merci pour votre attention et euh, à la prochaine.